Ok, salut tout le monde, c'est Obijo, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi ce super dans cette vidéo, épisode 2 du Let's Play sur Minecraft. C'est parti, génération de luthérans en cours. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Activez la cloche de notification pour pas louper les prochains épisodes du Let's Play. Et c'est parti, on spawn directement avec le diamant de l'épisode précédent. J'ai vraiment rien touché depuis la dernière fois. Voilà, c'est la première fois que je lance la partie depuis la dernière. Oh shit, on se fait déjà attaquer. Aïe, non, 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 non. Ok, là, lui, on va le tuer. Aïe, aïe, aïe. Ne tue pas. Ok. Oh, il nous a donné pas mal de loot. Il nous a donné pas mal de loot. Ok. Alors, ce qu'on va faire, les amis, déjà, dernier épisode, on a trouvé notre premier diams de la survie. Voilà, ça c'est vraiment, vraiment nickel. Pas à nous arriver quelque chose de mieux finalement. Les rails, on peut les prendre. Ouais, ça peut toujours servir. Rail activateur. Il y a pas mal de trucs qu'on peut prendre là, en vrai. Même si les rails, pour l'instant, on va pas trop s'en servir, on va pas se mentir. Pomme de terre, on peut jeter. Je pense que sinon, c'est bon, l'andésite, on peut jeter. La viande, comme ça, on peut jeter. Ça, on va garder. Toujours ça. La pomme toute seule, on jette, on s'en fiche. Là, on va vraiment garder les trucs les plus intéressants. Et voilà, le charbon on prend tout. Et voilà, là on est nickel. On va éviter de se perdre dans notre mine justement. Alors, d'après mes souvenirs, oh, déjà il y a un creeper là, je suis pas en confiance. Il y a un autre diams. Oh, faut pas qu'il casse le diams par contre. Ok. Aïe 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 aïe. Non non, c'est une araignée empoisonnée. Aïe 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 aïe. Non non, faut pas qu'elle me tue, faut pas qu'elle me tue. Ok. C'est chaud les amis, c'est chaud. Faut vraiment pas qu'on meure. Hop. Oh, il y a full diams. Il y a full diams, les amis. Alors. On va passer par là. Full diams, what? Oh, on se met super bien là, par contre, les amis. Hop. Donc là, vraiment. Ok. Là, on se met super bien, les amis. Juste là, il y a de l'opsy. Alors. Peut-être que là, on était sur un bon petit filon de diams, franchement. On prend le fer quand même. Faut pas négliger les ressources. Ok. Alors d'après mes souvenirs, on n'est pas passé par là. On va revenir sur nos pas. Ce serait pas mal qu'on retrouve. Je crois qu'on était. Ouh là, il n'y avait pas de lave comme ça. Hein. On va repartir par là. On va éviter. Ok, donc là on a notre farm à XP. Ok, bah c'est nickel, c'est nickel. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut remonter par là. Oh, j'avais pas vu ça. Est-ce que je l'avais vu lui? Oh, je l'avais pas vu lui. Je l'avais pas vu. Ça fait toujours plaisir. J'ai entendu, j'ai entendu. J'ai entendu aussi. Oh shit, 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 shit. Aïe, 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 aïe. On va éviter de se faire kill maintenant, ce serait un peu dommage. Qu'est-ce qu'on va sacrifier? On va sacrifier ça. Tac, on va prendre les torches comme d'habitude. Les petites torches, la golden apple, on la prend également. Ben, je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok, hop, oula. J'ai bugué. On va tuer eux. Faire un peu d'XP encore une fois. Ça, c'est vraiment bien. Vraiment, pour fermer l'XP, on a une ferme limite automatisée. Qu'on a même pas eu besoin de toucher. Alors là-bas, est-ce qu'il y a. Il a l'air d'avoir des coffres? Non. Mais je pense qu'on peut repartir. Alors. Du coup. On va remonter par là. Qu'on a passé par. On n'est pas passé là où il y avait de la lave, hein, d'après mes souvenirs. D'après mes souvenirs, on est même passé par là. Non. Je sais plus. Attendez. C'est vraiment bien qu'on retrouve l'endroit par lequel on est arrivé. Oula. S'en aller. Ok. L'avant-bas, peut-être qu'il y a du diams. On regarde vite fait, non. Pas l'air d'en avoir. On va pas s'aventurer un peu trop loin non plus, on va pas. Des yeux là, bizarre. Faut pas trop y aller non plus. Là, ici, j'ai dû y aller.
Si j'ai dû y aller, je dois arriver d'ici moi. Oh, pas loupé. Pas loupé, je suis plutôt fier de ma petite prouesse. Ok, alors du coup on sait que ici on a nos spawners et tout. Faut retenir ça hein, parce que c'est vraiment bien. Du coup on va remonter à la surface. Et voilà, on va remonter à la surface. Et franchement on a déjà un bon petit stuff de départ. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, donc comme d'habitude hein, si vous avez des choses à me dire, à améliorer sur ce let's play, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Ça serait vraiment, vraiment stylé. Que je réalise justement vos défis. Du coup voilà. Alors, du coup, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas vu la surface, j'ai l'impression. Ok. Oh là là, ça fait du bien de quand même de retourner à l'air libre, on va pas se mentir. C'était un peu étouffant d'être dans une grotte H24. On va éviter de mourir de faim, ce serait un peu dommage après tout ce qu'on a traversé. Hop, est-ce que j'ai de quoi me faire du pain? Ouais, j'ai de quoi me faire du pain. Ok, on va rotate un peu, on va aller vers un autre endroit. Là-bas, il y a un village. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est se faire justement une balise ici. Se faire une petite balise. Et puis, dans tous les cas, au pire, dans la vidéo, j'aurai les coordonnées justement de cette grotte. Ouais, au pire, j'aurai les coordonnées. Oh, on va éviter de mourir comme ça serait vraiment dommage de mourir de chute. Oh là là, j'ai pas fait attention. Ok. En vrai, une petite plaine comme ça pourrait être pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. On va peut-être se mettre sur une montagne même. Ok, on va monter là. Hop. Ok. Oh, j'ai eu peur. Hop, 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 hop. Et hop. Ok, c'est nickel, les amis. Alors, donc, là, on a une belle vue. Là-bas, il y a des plaines. Oh, ça serait bien qu'on aille sur les plaines quand même. Là-bas, il y a un village également. Alors, le village m'intéresse pas trop. Les villages du désert, il n'y a pas trop de trucs intéressants, je trouve, dedans. En tout cas, moi, j'ai pas beaucoup de chance avec les loots dans le désert. Je préfère m'aventurer vers un biome plaine. Voilà. Bon, ce sera mieux, je trouve. En tout cas, moi, je préfère. Du coup, allons-y de ce pas. On va se manger une petite golden apple. On s'en fiche. On gaspille, mais c'est pas du gaspillage non plus. C'est quand même bien utile les golden apples si on veut régénérer de la vie et avoir une petite résistance. En plus, on n'a plus beaucoup de bouffe. On farmera la bouffe après. Je sais pas, c'est quoi la source la plus rentable de nourriture. Je pense quand même que c'est de faire un petit élevage d'animaux. Et en plus d'avoir un petit complément niveau fruits, légumes, tout ça. Ah ouais, on a vraiment un petit biome plein en plein milieu des autres biomes. Franchement, on sera calé ici, je pense. Ouais, on sera bien bien calé ici. On va se faire notre maison en plein milieu. Alors déjà, on va prendre un lit, on va dormir, qui va bien nous servir, justement. Hop. Et c'est parti, bonne nuit. Ok. Oh, tous les zombies qui brûlent de partout. Ok. Alors, déjà, on a justement de la pierre. Je pense qu'on va faire la base de notre maison. De notre maison. Je ne sais plus parler. On va faire la base de notre maison en pierre. Et on verra par la suite. Alors, tac, on va faire un bon gros cube. Ouais, j'ai eu peur que l'araignée me saute dessus, mais j'avais oublié. Les araignées ne nous attaquent pas quand il fait jour, donc c'est bon, c'est ok pour nous. Ok, on va fermer comme ça, on va se faire une petite porte de 1. On verra après quand on améliorera. Hop. Donc là, ça va être en gros la. Ouais, ça va être notre maison, ça va être un peu la forme qu'elle aura. Donc, voilà. Hop, on va placer notre petit lit ici. Non, on va le mettre dans un coin quand même, on va pas prendre trop de place non plus pour un lit. Du coup, on va devoir se refaire. On va devoir se refaire notre établi, notre four, tout ça. Bon, c'est pas très grave, hein, ça coûte pas beaucoup de ressources non plus. On va éviter de prendre trop de bois pour faire la maison, au pire on l'améliorera par la suite. C'est vraiment pas ce que je veux privilégier pour l'instant, la maison. C'est vraiment ce qu'on fera en dernier. Hop, on va même faire des petits piliers comme ça. Ça sera bien joli. Enfin, pas bien joli non plus, mais je veux dire, ça sera déjà un minimum propre, quoi. Là, je vais y tomber. Hop, il y a quoi ici? Non. Ok.
Ok, c'est bon, on a notre petit ceinturon, notre petit, pas comment appeler ça, notre début de mur, quoi. On va planter un peu plus d'arbres autour dans le futur hein, pour que ce soit vraiment beau. Bon, l'esthétique, on s'en fout. Ce qu'on fera vraiment en dernier, l'esthétique, je pense. Juste, déjà, on va privilégier le pratique. On va privilégier l'utile. Je vais mettre des torches, comme ça les monstres ne pourront pas apparaître autour de la maison. Hop. Et hop, c'est nickel. On va mettre une torche en plein milieu, comme ça éclaire bien tout. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va miner du bois. On va couper du bois. J'ai plus de bouffe ou. Ah si, j'ai du bœuf cru. On va farmer le mouton aussi parce que là on a vraiment plus de bouffe. Ouais, là-bas, j'ai vrai. Hop, ok. On va miner cet arbre. Et après, avec cet arbre, on va se faire une table de craft. On va se faire un four qu'on va mettre notre fer à cuire. Et déjà, on aura une belle base pour la maison. Le sol, on le fera pas maintenant. C'est une perte de temps pour l'instant. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on va vraiment privilégier le pratique. Et après, voilà, on fera des pièges à monstres. On fera des farms à mobs avec les farms à XP. On fera des bons gros bâtiments de stockage, on fera vraiment une grosse survie, je pense. Si la survie vous plaît, on fera une grosse série. Du coup, table de craft. Déjà, il me faut du bois, comme ça, des planches, de wood. C'est parti, établi, on pose et let's go. Bâton. Pioche en diams. Bien sûr. Épée en diams. Bien évidemment. Hache en fer, bien sûr. Du pain. Encore, encore, encore. Ok. Et là, les amis, on est supra bien. Supra bien. J'ai plus de pierre. Oh le boulet. Je vais aller chercher de la pierre alors que j'avais 8 stacks juste avant. J'avais 1 milliard de pierres. Ok, on va prendre un max de pierre. On va se faire un four. Ah mais j'avais. Mais quoi? Mais j'avais déjà un stack de pierre, pourquoi? Ah, je devais pas être sur la bonne catégorie. On va manger parce que là, moi, de marcher à 2 à l'heure, ça va pas du tout. Ok, nickel. On va se faire un four, du coup, ouais, je devais pas être dans la bonne catégorie. Ouais, j'étais pas dans la bonne catégorie. On va mettre notre fer à cuire, comme je vous disais tout à l'heure. Hop, notre fer directement. Ensuite, on va se faire une porte. Une petite porte, petite porte, petite porte. Où c'est que ça se fait les portes? Les portes. Peut-être pas assez de bois. Ah oui, il n'y avait pas assez de bois. Ok, on se fait trois portes. On va la mettre comme ça. Et voilà. Ok. Ça c'est nice. Ensuite, voilà, on va faire un max de bois. Ok. Est-ce qu'on a. Ah oui, on va faire des coffres. Enfin, on va faire un coffre, déjà un grand coffre. Et on va ranger toutes les choses. Un peu inutile comme les parties en bois ou les parties un peu inférieures comme la pioche en pierre. Bottes de foin, on peut la ranger, les fleurs, voilà, le poisson, le cuir, les rails, les os, le badge, les portes, on s'en fout, le diams, on va le garder précieusement ici. Les bâtons, les livres, la redstone, l'œil d'araignée, le disque, ça on peut ranger. Ça on peut le garder au cas où qu'on ait besoin d'un peu de bois un jour. Et la pomme enchantée, on va la garder également, on va pas la gaspiller. Et je pense que on est à peu près pas mal. Avec le fer, on va pouvoir se faire un bon stuff en fer. Donc déjà, je vais me faire un petit casque. Quand les parties ici, elles seront cassées, on les remplacera par du métal. Mais pour l'instant, on va pas les brusquer. Est-ce que je voulais aller faire déjà? Ah oui, je voulais aller à mon temple du désert. C'est vrai. J'avais oublié ce détail. Donc là, pour l'instant, vraiment, on a un beau petit stuff, les amis. Ouais, on a un beau petit stuff. Franchement, on est vraiment calé là sur cette petite partie. Ouais, on va aller faire ce petit temple. Et après, je pense qu'on va tenter le portail du Nether en sachant que là en bas il doit avoir de la lave, donc source d'obsidienne illimitée. Voilà, le temple nous appelle. Va falloir faire attention au piège de ce temple. Va-t-on mourir? What the? Yeah. Il y a carrément. Attendez.
Je ne suis pas Dreams, loin de là. Allons saute. Oh, joli, joli ça. Le carapaçon, on s'en fiche. Carapaçon, déjà le nom me dégoûte. Carapaçon, ça n'a pas de sens. La selle, on prend. Ça, on prend. Ah oui, il y avait des selles ici. En vrai, les ficelles, on va les prendre quand même pour faire des arcs, des cannes à pêche. Ça, on prend. Ensuite, on va prendre la TNT. TNT qui fait toujours plaisir. Et on s'en va. C'est parti. Du coup. Où tu peux aller? Ok. Ici, c'est fait. J'ai pas de bouffe à part mes pommes dorées. On va trouver, je vais en gaspiller une. Hop. Donc on va repartir vers notre faille juste là. J'ai encore du bois. J'ai encore du fer. Je peux me faire un me faire avec du fer. Ah. Je suis un drôle. Je suis quelqu'un. Je suis assez drôle dans la vie. N'hésitez pas à vous abonner pour cet humour de qualité. Du coup, justement, hop. Pour info, je vais pas me faire un saut en bois. On n'est pas au Moyen Âge. Hop. Et ok. Let's go. Ok, nickel. Quelqu'un d'assez méprisant à l'égard de la pluie. Mais laissez-moi tranquille, ils m'ont attiré dans un gouffre sans fond. Alors l'objectif premier de cet épisode, c'était vraiment de faire le portail du Nether. Mais je pense qu'on le fera dans le prochain épisode parce que là ça va être un peu chaud. S'il pleut. Attendez, mais techniquement si on fait ça, attendez. Attendez, attendez. Je suis pas sûr, mais... Est-ce que ça fait de l'opsy? Non, ça fait pas de l'opsy. Là, ça fait de l'opsy. C'est long quand même de miner de l'opsy comme ça. Je crois le... Ah non, ça va en vrai. Ok. On a un d'opsy. Il nous en faut 2, 3 et 3. Il nous en faut 7. Il nous en faut 4 et 3 et... Ah non, 4, 3 et 3. Il nous en faut 13. 13 d'obsidienne. Est-ce que c'est bon pour vous? 13. Le chiffre 13. Donc, on va essayer de revenir en haut. De dormir. Parce que là, on est bloqué dans une faille, quoi. C'est un peu chaud. J'ai toujours pas de bouffe. On va manger toutes nos golden apples. Pas grave, on s'en recraftera. Vous inquiétez pas. Pleurez pas dans les commentaires, s'il vous plaît. Allez, on va remonter, vous inquiétez pas. On reviendra plus fort sur cette épreuve. Oh, je suis retombé tout en bas, je vais pleurer. Là, c'est moi qui vais pleurer pour le coup, c'est pas vous. Oh, non, retombe pas pour la 8e fois. Ça, j'exagère pas trop hein, avec les chiffres. Vous inquiétez pas pour ça. Ok. Et c'est nice. Hi! Un zombie aquatique. Non mais va-t'en, va-t'en. Il y a des creepers et des monstres de partout. On voit ma base, regardez, elle est magnifique, elle est là-bas, elle nous attend. Oh, il y a tellement de mobs sur notre chemin. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il y avait plein d'armures. Ils ont tous des armures en or enchantées là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Ils me suivent? Ah ouais. Vous rôdez autour de ma maison, vous êtes. Oh! Non mais là c'est trop. Là c'est trop. Là je n'en peux plus. Vite rentrer chez moi. Non non mais là je veux dire c'est du troll. Qui a creusé ces trous là? Sérieusement là je peux me faire avoir 8 fois. Arrêtez un moment. Bon, il n'y a pas de toit encore. Jugez pas. Il y a une vache dans mon oreille là. Une vache qui dort à côté de mon lit. Pas ce qu'elle fait là. Oh, le fer, tout le fer qu'on a. 9 de fer, les amis. Ouais, ils m'attendent. C'est malade. Aïe! Je me fais tirer de partout. Toi, tu vas mourir. Il a un arc enchanté. Il a pas drop.
Allez, rentrez, rentrez, je vous attends avec mon épée en diable. Je vous attends. Hop là, voilà. On rentre, voilà. Là-bas, il y a un puits, je sais pas si vous le voyez. Bon, ça sert à rien, mais... Bah, au moins, on sait qu'il y a un puits si on veut de l'eau, je sais pas. Vraiment, ça sert à rien, en fait, les puits. Je vais me faire un bouclier. Bouclier qui peut vous sauver la vie, les amis, sachez-le. Plastron, voilà, on va le prendre maintenant parce que... finalement, on a quoi? On a protection contre les explosions et puissance. Celui-là, il a protection contre les explosions 2 peut-être, mais c'est un truc en cuir. Au final, il protège moins bien que le truc en métal. Franchement, on est plutôt calé là. On est vraiment, vraiment bien, bien stuff là. Il faudrait qu'on ait des équipements en... Ah, attendez, on va se faire des bottes comme ça. Et voilà. Franchement, je pense que là, on est bien hein, pour l'épisode... L'épisode 2 là, et bien, hop, et voilà, donc on a notre premier bloc d'opsy, ça c'est nickel. Et voilà, prochaine partie, on va aller dans des grottes et on va farmer l'opsy. Le portail, je pense qu'on va le faire là. Et voilà, donc c'est tout pour cet épisode, vraiment désolé si cet épisode n'a pas été chargé d'action. Mais voilà, le prochain, il sera un peu mieux, je pense, niveau action. On va aller dans les grottes, donc il y aura pas mal de monstres et tout. Donc en tout cas, c'était Obijawa. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit like. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.